Salut. Donc là, on va retrouver le lieu. Bon, le son est peut-être un peu fort. Vous allez voir la prochaine caverne qu'on franchira, enfin, celle-là, la prochaine. Ça c'est sympa, il n'y a pas de monstre. Et en fait, faut pas se faire repérer, mais c'est pas dur. Hein. Bon, c'est pas Splinter Cell non plus ou Metal Gear. Hein. Là qu'il y a un Colisée, on va pas faire un mélange de tous les jeux. Hein. Ah, parce que le Colisée c'est un espèce de jeu de course aussi. Hein. Donc voilà, ça je vous l'ai dit, c'est plus rapide que de prendre que de faire tout l'aller-retour. Hein. Enfin, tout le retour. Donc en fait, ça aurait peut-être été plus rapide d'aller voir Babi directement depuis la sortie. Enfin, depuis le fond de la caverne, j'allais. Parce que là, bon, c'est pas très rapide en fait. Je suis en train de me rendre compte que, ouais. Enfin, tant pis. Voilà. Donc là, on lui donne. Hein. Hop. Donc il est plus invisible. Donc, je vous dis, Babi c'est un perso assez important du jeu. On en entendra même parler dans le 2. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi il était invisible avant? Pour se retrouver dans une situation pareille, il faut vraiment être con. Paralysé invisible. Donc là, il y a encore Yvan qui casse les couilles à dans les pensées de tout le monde. Non, sans blague. Donc ouais, c'est un objet comme les objets pour avoir attrapé, etc. Donc là, il dit, j'ai rencontré des vrais Lumurians. Bon, enfin, je veux dire, pas encore. Donc la personne que Lemuria. Donc je vais vous abréger. Lemuria, c'est une civilisation disparue. Et vous avez vu que la potion là pour Babi, c'est la potion Lemuria. Et en fait lui il cherche Lemuria justement pour parce que sa potion elle lui permet de tenir la vieillesse. C'est-à-dire qu'il crève pas quoi. Enfin de ralentir la vieillesse. Donc là je peux vous passer le dialogue mais c'est ce que je viens de vous dire. On parle juste de ça. L'alchimie peut même vaincre la mort, machin. Alors ça c'est vraiment trop con. Il y a des mecs avec deux torches, ils éclairent toute la caverne. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Thank you.
Donc ouais, Yudam, c'est un gars qui avec Babi. Babi, je l'aime pas trop personnellement parce que il utilise tout pour lui en fait. Il a même construit une tour qui s'appelle la tour de Babi, hein, pour pouvoir voir Lemuria depuis le sommet de la tour. Oui, je vous rappelle qu'il y a le Colisée. Ah, machin. Comment ça s'appelle? Tolbi. Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Il nous propose de participer au Colisée. Éclairage, quoi. On a les pubs pour machin, les piles, je sais plus quoi. Quand ils mettent la lampe, ça fait carrément le jour sur la nuit. Ouais, bien sûr. Sinon, on pourra pas continuer le jeu donc. Donc Lemuria et tout ça, il va nous en parler après après le quizé. Babi va nous en parler. Vous allez voir, le quizé, c'est sympa. Donc là, j'utilise la synergie la plus utile. Franchement, pour moi, c'est la synergie la plus utile. D'ailleurs, si on pouvait le faire pendant le combat. Oh putain, tous les coups on peut. Putain, merde, j'ai jamais pensé à ça. Ah bah non, on peut pas l'avoir en combat. Bon, tant pis. Faut quand même vérifier. Donc là, on retourne à Tolbi. Bon, je vais pas régler ce problème de lag. Hein. Ah, est-ce qu'on peut utiliser fuir? Non, il a pas. Il a pas la synergie fuir en combat. Donc là, on retourne à Tolbi vite fait. Oh, mais faites pas chier. C'est ça. Donc oui, je fais rien, je garde tous mes trucs, parce que je vous rappelle que dans mon autre sauvegarde rapide, j'ai tous les machins. Donc pas la peine de se reposer, c'est rien. Enfin, je crois. Que nous c'est pas la peine puisque voilà, il y a un garde. Bon, on n'empêche que refaire les vidéos ça a du bon vu que je vais beaucoup plus vite, hein. Donc j'ai pas fait ça pour rien, moi. Il n'y a que Vlad qui participe, les trois autres en fait ils l'aident. Enfin, vous allez voir comment ça marche. En clair, au début il y a une course avec des obstacles qu'il faut briser avec la synergie. Donc Vlad participe, voilà. Les trois autres ils sont dans le public et ils enlèvent les. Ils dégagent le passage quoi, pour que Vlad aille plus vite. Et si on va plus vite que l'adversaire, on arrive le premier sur le ring, on a le meilleur objet. Sinon, on a un objet de merde. Donc voilà, en fait, ils font que de parler de ce que je viens de vous dire. De toute façon, vous allez voir tout de suite. Hein. Même si vous n'avez pas compris mes explications, ils vont en avoir 500 000, donc. Thank you.
voilà, faut arriver le premier, il dit, en clair. On va réviser les explications. Et voilà, donc ça a commencé. C'est pour ça que je l'ai dit que ça sert à rien de se soigner vu qu'on est à fond. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Donc faut passer par tous les niveaux. Donc le premier niveau, voilà. En clair, faut bouger ça. Faut bouger le tronc. Donc soit c'est Vlad qui le bouge comme ça, voilà. Soit c'est quelqu'un du public. Là je vais mettre Garrett. Qui le bougera avec déplacé. Qui bougera celui du bas. C'est plus rapide. Alors je vais prendre Garrett, mais je vais juste lui enlever l'orbe de force. Que je vais donner à Yvan. Et la goutte que je vais donner à Sophia. Voilà, donc encourager Garrett. Donc Garrett va se mettre là. Ensuite, donc voilà. Là en clair, faut relier les trucs pour que l'eau tombe dans le truc et soulève l'autre. Mais on peut aussi utiliser inondation pour que ça tombe direct. Mais Sophia, ça ira encore plus vite. En fait, on peut tout faire avec Vlad, mais c'est plus rapide de le faire avec les autres. Donc là, voilà, faut faire ça. On peut aussi le faire avec Bourgeon. Avec Bourgeon, vous voyez, en direct. Donc là, pour avoir Bourgeon, il suffit de donner ça, c'est changer un truc, voilà. Enlever ça. Peut-être pas racine, en fait. C'est lequel le moins bien là-dedans. Non, lui il baisse les PV, l'attaque. Ouais. De toute façon, il baisse tous des trucs. Hein. Faut faire des bonnes stats donc. Surtout pas celui-là. Clear. Ouais. Donc, je vais changer celui-là. Voilà, maintenant il a Bourgeon. Je lis surtout pas. Faut surtout pas lier ça, hein, sinon il a ça après et il perd tout le reste. Donc voilà. Non, bon. Ah, je fais des descriptions comme un con. Voilà, ils vont. Après, il y avait d'autres trucs. Hein. Il y avait aussi celui-là. Sauf que là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc là pour obtenir le coffre en fait c'est simple, il suffit de faire ça, ensuite remettre celui du haut et refaire tomber l'autre. Donc là il y a personne à mettre puisque de toute façon il peut rien faire le spectateur. Donc là ouais je sais pas si j'aurai le temps avec la vidéo. Bon allez, je me lance. Ouais. Donc là pour se préparer il faut rentrer dans le cercle. Je sais pas si j'attends une vidéo ou pas. Bah allez ouais. Je vais faire la prochaine vidéo, sinon j'aurai pas le temps de tout faire. Donc à la prochaine vidéo, vous verrez comment marche le Colisée.